Quel bonjour messieurs dames, c'est Daron Motard aujourd'hui, nous sommes samedi, nous sommes le 8 octobre et je reprends la moto depuis les Pyrénées, figurez-vous, j'ai plus roulé depuis. Je suis en route vers le magasin RAD à Nivelles où je vais rejoindre l'ami Pascalou. Et aujourd'hui je vais simplement changer les pneus de la belle. J'avais donc des Metzler que je vais remplacer par des TKC, TKC 70-70. Et si nous avons le temps, l'envie, on verra bien, nous irons peut-être voir une petite source miraculeuse, enfin dite miraculeuse, en Belgique, petit endroit insolite comme à la belle époque, hein. Il n'y a pas que les road trips, on continue les petits mini road trips en Belgique pour aller découvrir des lieux insolites. Alors donc les pneus ont tenu à peu près 10 000 km. Même 10 000 km pour être tout à fait précis, parce que je les ai changés à 17 000 et des poussières, et on est à 27 000 et des poussières. Donc je suis parti quand même en Alsace, toutes les Pyrénées, avec ce jeu de pneus, donc plus ou moins 10 000 km. Et puis finalement, je voulais vous parler aussi de cette initiative que je vous avais proposée de j'irai rouler près de chez vous. Et bien sachez que 3 d'entre vous m'ont déjà répondu, m'ont proposé des lieux. Et donc je suis hyper content. Ça me fait excessivement plaisir donc de pouvoir rencontrer ces 3 abonnés. Donc n'hésitez pas si l'envie de me voir débarquer dans votre région ou dans une région que vous choisirez se fait sentir. Eh bien écoutez, complétez le formulaire, donc il fonctionne, je confirme. Donc apparemment la statue a été forgée ici, pas loin dans la région. Donc, et les colonnes et toute la structure du puits date du 16e. Je peux pas en dire beaucoup plus. Mais je trouve ça marrant de trouver. C'est un peu comme l'arbre à clous, c'est ce que je disais, en fait, c'est le même. C'est un peu le même principe, quoi, tu vois, avec des croyances. Quoi ? Perdu au milieu de nulle part. Et voilà. La statue. Sainte Renelde. Alors la question, c'est est-ce que il y a de l'eau ? Et oui! Et oui! T'as pas pris ton. J'ai pas pris mon bidon. Donc il y a vraiment de l'eau? Ah oui, bah c'est vraiment bien un puits. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais. Balise numéro 9. C'est un jeu de scout. Oui, c'est un jeu de scout. Voilà, donc le puits est encore bien en fonction. Est-ce potable? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça. Je vais pas goûter aujourd'hui. Non, on va peut-être pas goûter aujourd'hui, mais c'est sympa quand même. Voilà les amis, petit lieu que je voulais vous montrer. Donc près de Tubize, près de. On est à Sainte. Ah, on est à Sainte, c'est le village de Sainte, oui, dans cette zone-là. Donc vraiment. On n'est pas loin de Bruxelles en fait, hein, on est. Ouais. On est même passé en Flandre. On est même passé un petit bout en Flandre, exactement. On ne le fera plus, mais bon.
Allez, ben voilà le petit lieu que je voulais vous faire découvrir. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Attention. Je pense que tu vas les effrayer. Ah non. Ça, ce sont des vaches motardes. Ce sont des vaches motardes. Bon ben voilà les amis, Continental TKC 70. On va goûter à ces nouveaux pneus, voir ce que ça donne. Voilà, alors on est avec ces nouveaux TKC Continental. Ah, oh là là, on a l'impression que la moto est 100 fois plus légère. C'est marrant parce que c'est un pneu plus typé tout terrain, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Ah, attendez, est-ce que je suis sur la bonne voie moi ici? Ouais, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Bon, ben écoutez, ça a l'air d'être concluant. En tout cas, sur autoroute déjà, il n'y a pas de vibration en plus. Ça ne vibre absolument pas plus que le Metzeler. Au freinage, je sens une différence. J'ai l'impression que... Ouais. C'est subtil. Mais il y a une petite différence au niveau du freinage. Alors peut-être que mes freins sont un peu usés aussi. Hein. C'est pas impossible. Bon ben nous voilà arrivés les amis, j'espère que cette petite balade en notre compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, vous laissez un petit commentaire, vous laissez le pouce en l'air. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes de notre patrimoine local. Ah oui, c'est juste, je ne peux plus monter par ici. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très très bientôt. Bise, bise, und bise.